Abstinence avant le mariage. La famille est égale à un homme et une femme. La fidélité dans le mariage. Entre autres messages de sensibilisation de l'organisation non gouvernementale Sexe Absolu Famille Idéale. Des messages d'invitation à la pureté sexuelle dans les foyers à l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin célébrée le 14 février. Aujourd'hui, on a décidé de sensibiliser toute la population pour leur dire que maintenir la fidélité dans le mariage, parce que Dieu a établi un ordre. Ce n'est pas nous qui devons déranger l'ordre de Dieu, mais nous devons suivre l'ordre de Dieu. Le mariage réussi, c'est un homme fidèle, une femme fidèle, hein, une famille idéale. Pour le parrain de la marche à la pureté sexuelle, Lazare Akassaye, l'amour est la base d'un mariage réussi, garant de la stabilité de la famille. Avant le mariage, il faut tout faire, il faut se battre pour garder sa pureté sexuelle. Et ça fait de nos mariages, de nos couples, des couples sains. Parce que, en fait, nous venons tous d'une famille. Si les familles ne sont pas saines, ne sont pas centrées sur l'amour vrai de Dieu, où est-ce que nous allons? Une fois que Dieu vient dans un couple et dans une famille, cette famille, elle est sauvée. 3 km de marche allant du Carrefour en Ador de Yopougon, passant par la mosquée Maroc et l'église Saint-Mathieu, ont permis d'attirer l'attention des populations sur le respect des principes du mariage, à savoir la fidélité et la pureté sexuelle.